Et bonsoir gens, c'est Willy et on se retrouve pour l'épisode 13 de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dans l'épisode précédent, nous étions... Attendez, j'ai une manette bizarre maintenant. Nous étions en plein chemin pour aller dans cette zone, pour voir l'autre scientifique de Tabletchaika. Parce qu'il y a celui du village des limites et il y a celui de ce village je ne sais où. Sauf qu'en route, on a croisé des poissons. Enfin, des je ne sais plus comment ils s'appellent, des Zoras, je ne sais plus. Bref, des poissons quoi. Qui nous ont dit que excusez-moi, j'ai eu un bug. Qui nous ont dit que quelqu'un nous attendait, un certain Sidon. Donc, on va peut-être aller faire un petit détour. Juste... J'avais vu quelqu'un là. Ah, voilà. Bonjour toi. Ouah, t'es fou quoi. Il s'appelle Gruve. Excuse-moi d'avoir crié comme ça, mais tu m'as vraiment filé les jetons. Moi c'est Gruve au fait. Qu'est-ce que tu fais ici? Et bah et toi alors? Ah, bonne question. Très bonne question même. En fait, avec le prince Sidon et d'autres Zoras, voilà, ils s'appellent les Zoras, du domaine, on cherchait un Lilien. J'étais en train de faire une petite sieste digestive quand tout s'est mis à trembler et je me suis retrouvé ici. J'aimerais bien descendre, mais c'est juste trop haut. Si seulement le prince me remarquait depuis le pont en bas. Mais d'y voir, t'es un Ilien. Tu parles d'un coup de bol. Prince Sidon, j'en ai trouvé un. Il y a un Ilien ici. On dirait bien que le prince n'entend pas. Je ferais peut-être mieux de sauter dans la rivière et d'aller le rejoindre. Ou pas. C'est bien trop. Et c'est plutôt un coup à me briser les arêtes avec ça. Désolé Lilien, il faut que je retrouve comment descendre d'ici. Ça risque de prendre un petit peu plus de temps que prévu pour venir le pince. Ok, bah moi je vais sauter. Et je vois qu'il y a un truc là. Donc on va y aller. Juste, d'abord je saute par le sanctuaire. Ah, il y avait un sanctuaire là-bas que je n'ai pas fait. Et hop! Allez, on y va. Hop. C'est bon. Sanctuaire de Sao Koi. Oui, attends, madame. Oh, un gros Radimax. Ce Radimax aux propriétés énergisantes excède de loin la taille des radis standards. Bien plus que le nombre maximum de cœur. Ok. Allez hop. Je vais faire ça avant de voir le Zora. Et hop. Toi qui as pénétré dans ce sanctuaire, Sao Koi te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Épreuve basique de force. Ah, c'est un 1v1 Koi. Ça me rappelle mes époques Minecraft. Ah, attendez, pas le marteau. On va prendre une belle épée. C'est un espadon, ça. Hop. Allez, on est prêt à lui péter la gueule. Cette fois, c'est pas une épreuve extrême, donc ça devrait aller. Alors, comment il va se débrouiller? Ouais, il est moins armé que moi. Enfin, moins armé que dans l'autre mec. Ah. Ok, moi aussi j'ai un glaive. Ah, il prend cher. Voilà. Putain, mais toutes mes armes se cassent sur lui ou quoi? Allez hop, mange ça. Oh! Ok. Aïe, 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 aïe. Ah oui, j'ai plus de flèches, je crois. Ouh. Vite, un bouclier. Ah, il va refaire son truc. Voilà, il bouffe. On va prendre un bouclier rouillé. Là, il refait son truc. Ok. Alors on va éviter de mourir quand même contre ça, ça serait un peu la loose. On va manger... Ah, j'ai que des trucs pétés en fait. Bon bah une grillade hein. Ah j'ai plus de défense. Allez viens. Ah si, j'ai des flèches. Oh, dans les yeux. Prends ça, raté. Oh mais il est infâme lui. Oh. C'est bon. Aïe, aïe. Ouf. Mais non, mais il va me tuer. Mais non mais comment je fais? Vite, de la bouffe. Mais... Calme-toi. Voilà, meurs. Oh. Ok, il m'a looté un bouclier. Un rouage antique. C'est bon. Oh, vite. Fuyons. J'espère que la récompense en vaut la chandelle. Ouais. Ah. Cette sacoche toujours pleine. Et d'arc nu en plus. Allez, donne-moi ton arc. C'est bon, j'ai... Coffre. Et voilà, on prend l'emblème. En remportant la victoire, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Oui, C'est mon quatrième, je pourrais avoir un cœur en plus du coup. Merci. Fou. Bon, on va lui parler à elle. Formidable, vous êtes bien un Ilien, n'est-ce pas? Tout à fait. Parfait, c'est mon jour de chance. Oh, pardonnez mon enthousiasme. Je suis Porea du peuple Zoras. Je suis justement à la recherche d'un Ilien tel que vous. Depuis quelque temps, il se passe des choses étranges dans notre village, le domaine Zoras. C'est pour ça qu'avec le prince Sidon, nous cherchions un Ilien assez fort pour nous aider. Le prince Sidon est au pont d'un gogo. Vous voulez bien aller lui parler? Qui sait? Vous êtes peut-être celui qui nous sauvera tous. Il est où ton pont? C'est lui? Il n'y a pas écrit. Grand pont Zoras. Ouais, normalement ça va être quelque part là. Attendez. Oups. Hop. Non, on dirait pas. Bon. Elle m'a dit que c'était tout droit, hein, de toute façon. Donc on va le croiser en chemin. Ah bah voilà. Hé hey, toi, là-bas. Ici! Je suis ici! Tu es un Ilien, pas vrai? Viens un peu par ici, il faut que je te parle! Je croyais qu'il allait me faire un gros câlin. Oui, c'est bien ce que je pensais. T'es un Ilien. Tu veux faire un câlin? Ah, mais je manque à tous mes devoirs. Je suis Sidon, prince des Zoras. Comment t'appelles-tu? Donne-moi ton nom. Link? Link, ça sonne bien. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. En tout cas, j'aime bien. Pour tout te dire, cela fait déjà un moment que je t'observe. Cette allure, cette aura extraordinaire qui émane de tout ton corps. Link, tu es un puissant guerrier ilien, n'est-ce pas? Bon, en effet, oh, on va pas se le cacher, je pèse un max. Oui, je le savais. Après tout, je suis le prince des Zoras, je suis très perspicace et je sais à qui j'ai affaire du premier coup d'œil. Bien, c'est parfait. J'ai longtemps cherché quelqu'un dont la simple aura serait un gage de force, quelqu'un comme toi, Link. Le domaine Zoras est menacé par des pluies diluviennes provoquées par Vah Ruta, la créature divine de l'eau. Nous avons besoin de toi, aide-nous. Acceptes-tu de venir au domaine Zoras? Bien sûr. Oh, vraiment? Merci Link, je ne m'étais pas trompé. C'est parfait. J'ai longtemps cherché quelqu'un dont la simple aura serait un gage de force, quelqu'un comme toi Link. Le domaine Zoras est menacé par des pluies diluviennes provoquées par Vah Ruta, la créature divine de l'eau. Nous avons besoin de toi, aide-nous. Acceptes-tu de venir au domaine Zoras? Bien sûr. Oh, vraiment? Merci Link, je ne m'étais pas trompé. C'est parfait. Ah, j'ai oublié. J'ai quelque chose à te donner. C'est un petit quelque chose pour t'encourager. Oh, remède électro. Les propriétés isolantes de ce remède de niveau 2 protègent celui qui le boit des décharges électriques. Bien pratique contre les ennemis qui manient l'électricité. Ce remède augmente la résistance à l'électricité. Je sais pas si c'est parce que c'est un remède ilien, mais il ne marche pas très bien sur nous autres, Zoras. Par contre, il sera très efficace sur toi. Je vais partir devant pour m'assurer qu'il n'y a aucun danger. Je compte sur toi. Oh, il est stylé. Bon. Du coup, il m'a dit de... Voilà. Il m'a dit de continuer le sentier, donc on va avancer tranquillement. J'ai pas checké mes armes. J'ai un glaive de gardien, ouais. On va le garder. Et on va utiliser les espadons en attendant. Oh! Dommage. On va essayer d'être discret. Non. Ah, oh, ok. Dommage. Attendez, il y avait un truc à soulever là. C'est pas un korogu. Casse-toi. Ah, il est chiant. Voilà, bouffe. Oh, et eux aussi, ils me saoulent, mais bon, tant pis. On va se casser pour l'instant. Il y a de la bouffe. Shop qui volte, ok. Alors attendez. Voilà, on va les calmer un peu parce qu'ils sont un peu chiants. Et sinon, Polaris. Pour voir s'il n'y a rien d'important en métal caché dans l'eau. On dirait que non. Aïe! Mais ils sont chiants. Voilà, casse-toi. Allez, de la bouffe. Faut vite que je me mette à cuisiner parce que là j'ai quasiment plus rien. Voilà, ça dégage. Je dois grimper du coup pour aller en haut. Oui. C'est bon. À l'attaque! Ah, une épée. Casse-toi. Allez, je prends une hache. On récupère tout ce qui est là. Pillons. Gentiment. Voilà. Le moindre stuff nous sera utile. Oh. Allez hop, bouge. Je fais tomber dans l'eau. De l'ambre brut. Oh, une grenouille. Oh. Oh oh. C'est bon. Hop, tu dégages. Et toi aussi tu dégages. Hop, un rubis. Oh, j'ai envie de récolter des... Voilà, des poissons. Toujours plus de poissons. Y a pas de rubis là? Ok. Oh non, pas lui. Ah! On va éviter de refaire ça, hein. C'était dangereux. Et je le rate en plus. Voilà, ça dégage. Oh là, tombe pas dans l'eau. Je perds trop de vie. On va manger un peu de pommes. Une grenouille vigueur. Cette grenouille rouge et rare déborde de vigueur grâce à un élément présent dans le foie. Faites la cure pour obtenir un remède montant l'endurance au-delà du maximum. Ok. Un champi silencio. Une grenouille tempo. Il commence à en faire à manger ici. Ah. Eh hey, Link. Désolé de te parler depuis la rivière. Mais comme je t'ai enrôlé de force, je savais pas si tu viendrais, mais je suis rassuré de voir que tu progresses bien. Depuis des phénomènes récents, les monstres pullulent par ici, alors sois prudent. Les Zoras t'attendent, Link. T'inquiète pas, Sidon. Tu es stylé, je t'aime bien. Voilà, tous les remèdes qu'on va pouvoir se faire, on se met tellement bien. Je peux le pousser ça ? Attendez, j'ai une bonne idée. Merde. Zawarldo. Oh. J'ai failli mourir de moi-même. Allez, on monte, on monte, on monte. On devrait bientôt arriver à destination. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'arbres ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Oh! Ok. On nous jette des trucs. Il y a un méchant en haut. 100%. Ah ah. Surprise! Raté. Oh. Allez hop, ça dégage. Donne-moi tes ressources. Par contre, t'as fait fuir un lézard et je voulais bien le récupérer. Oh. Merde. Ah, une truffe. Ok. Ah, il y a de la bouffe. Ah, mais j'ai pas de... Attendez, je crois que j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu un truc à faire avec ça. Si je prends ça... Voilà. Frappé contre une arme en métal, ce silex peut produire des étincelles et enflammer un fagot de bois à proximité. Alors, on va le poser en dessous. Voilà, je sors une arme en métal. Et voilà. Et là on peut faire de la bouffe. Je vais me faire du poulet, hein. Et voilà. La bouffe. Viande salée. Ah. Bah des pommes, hein. On va faire une assiette de pommes et de champis. Avec des bananes. Ça devrait apporter pas mal de cœur, ça. Oui. Non, pas manger. Si je mets ça avec ça. Brochette de la mer silencieux. Un escargot et une pomme, hein. Comme quoi on peut faire des miracles. Ah, on en fait d'autres. On va prendre ça et on va l'ajouter avec une perche. Poisson vapeur. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on est trop fort en bouffe. Et si je mets genre 2 poissons différents? J'ai pas 2 poissons différents? Ouais. Un peu de viande et de poisson. Voilà un truc terre et mer. Voilà, on va cuire un peu des trucs random aussi, genre tout seul. Il le faut bien, hein. Et de la viande avec du sel. On peut faire des choses avec aussi. Attends, est-ce que j'ai encore des cristaux de sel? Je crois que j'ai plus de cristaux de sel. En tout cas, je n'en vois pas. On va mettre ça avec un champi rameau. Allez. Délice des bois à la viande protecto. Un crabe avec un melon glagla, ça fait quoi? Brochette de la mer. Bah, on va faire un peu de lait chaud, hein. Ah, il faudrait de l'eau, hein. Enfin du lait chaud, mais mieux. Si on met avec un peu de fleurs, avec un petit fruit, on va faire du lait à la fraise. Les chauds électro. Ah, ok. Ah, du lait coco. Ça peut être pas mal, ça aussi. Ouais. Le jeu s'en bat un petit peu les couilles, hein. Une brochette de viande. Et on va faire une petite chutney de fruits. Deux petites chutneys de fruits peut-être même. Oh, je peux pas cuisiner à cause des mobs. Oh, bon bah tant pis. Au moins on aura fini notre séance de cuisine. Allez. Et là il va bouffer Voilà, en plus il a pas mal d'armes. Plutôt intéressantes. Donc je les prends, On se fait plaisir. Celui-là il est gentil mais il est dégueulasse. Donc cet arc lézal est mieux. Oh. Ok, on va faire des remèdes avec sa queue. Je récupère tes perches grillées. Ok, on va... Voilà, de l'ambre brute. Il y a d'autres mobs ici. Un en moins, je récupère ton boomerang. Ouf! Vite, de la bouffe. Aïe. Je crois qu'il m'a acheté son arme, cet abruti. On va manger ça avec une pomme. Voilà. Au moins, il restocke un peu mes flèches. Et je vais pouvoir... Ah, il est pas mort, merde. Reviens ici, Bambi. Oh, flèche électrique. Cette flèche, imprégnée du pouvoir de l'électricité, électrocute tout ce qui l'entoure grâce à l'impact et est très efficace contre les éléments mouillés ou en métal. C'est bon à savoir. Voilà, j'en ai mis KO. Par contre, ça lagouille ici un peu, non? Allez hop. Ok. Putain, mais ils sont partout. Faut les sniper. Ah, j'ai pas d'arme sur moi. Ok, on va se cacher. On y va doucement, hein, parce que... Il déconne pas ici. On n'est pas dans le coin le plus pacifique du jeu. En plus, ça lag. Oh, la ferme. Au moins, il me rembourse mes flèches. Les abeilles, Voilà, on fuit. Je vais ouvrir ça. Un arc de soldat, j'ai pas la place. Allez, on récupère ça vite fait. Et on fuit. Parce que les abeilles sont pas très gentilles. J'espère qu'on arrive bientôt au domaine des auras. Ah! Ok, continue à me suivre. Hop, fuyons, fuyons. On va essayer de, au moins d'arriver au niveau de chez les auras avant de s'arrêter. Eh, hey, ouh, par ici! Désolé de t'interpeller aussi loin, mais le domaine est encore loin, mais tu avances à bon rythme. Je t'encourage depuis la rivière, de ton côté, donne-toi à fond. Je sais que tu... Ouais, merci. Ça me fait perdre mon temps un peu. Ah ouais, c'est loin. Oh, je crois que je vais vous laisser là du coup. Oh. Ouais, je vais peut-être vous laisser là parce que ça risque d'être un petit peu trop long sinon. Oh. Allez hop. Ah bah du cristal de sel, c'est ce qu'il me fallait. Bon, je vous laisse là du coup pour cet épisode, sinon il va être trop long. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et d'ici là, à la prochaine!